Ok. Ok. Bon, ce qui montre que je suis totalement inculte dans ces choses. En matière de technologie, je suis un peu à la traîne. Moi, je suis le frère Landry. J'ai été désigné à cette tâche ce matin, qui n'est pas une tâche facile et tout ça pour moi. Alors que nous entrons dans une semaine qui est importante pour nous chrétiens, puisque le dimanche prochain, nous allons fêter Pâques ensemble. Je vois encore le poids de cette semaine qui commence, parce que tous les chrétiens du monde vont commémorer étape par étape, chaque jour, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à Pâques. Et beaucoup appellent cette semaine une semaine sainte. Ils essaient de réfléchir sur ce qui s'est passé. La fête de la Pâque, c'est la fête la plus importante de la chrétienté. Et parfois, pour nous qui sommes évangéliques, ça se passe comme si c'était une journée ordinaire. Et que j'ai toujours senti qu'on ne le prépare pas suffisamment. Et que nous aussi, nous préparons les fêtes de fin d'année comme les païens. Et qu'il nous arrive de donner beaucoup plus d'importance aux fêtes de fin d'année, et notamment à la Noël et tout ça, alors que la plus grande fête chrétienne, c'est Pâques. Et je trouve ça impressionnant. Et chaque année, d'année en année, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce que nous loupons vraiment, parce que c'est ce qui constitue le socle même de ce que nous sommes. Mais bon, je ne vais pas parler de Pâques, je vais l'effleurer un peu. Mais je voudrais parler d'un homme qui, pour nous, qui sommes chrétiens, demeure un exemple, et je dirais même plus un modèle. Parce que cet homme est l'un des premiers qui a accompagné Jésus dans sa marche. Et très peu de disciples ont joué le même rôle que lui dans la chrétienté, parce qu'il commence avec Jésus avant Pâques, il joue un rôle déjà, il joue un rôle pendant Pâques et il joue un très grand rôle après Pâques. Donc ça veut dire que cet homme est un homme central pour nous chrétiens. Et le Seigneur avait donné une promesse à cet homme. Alors que Jésus allait dans sa passion, il pose la question au Seigneur, parce qu'il a commencé à dire qu'il allait mourir. Il s'est dit, mais Seigneur, il a pris le courage de le faire, parce que c'était un vrai courageux. Il dit au Seigneur, mais nous pensions que tu allais devenir un roi, mais tu es en train de nous dire que tu vas mourir. Et Jésus lui dit, dans cette vie, tu auras le centuple, mais je te promets aussi le royaume des cieux. C'est-à-dire que Jésus ouvre un univers assez grand pour cet homme. Et chaque fois qu'on cite le parcours de Jésus, il nous arrive de citer le parcours de cet homme. Et cet homme, c'est l'apôtre Pierre. Mais le thème de mon message aujourd'hui, puisque j'en ai trouvé un moi aussi, puisque nous parlons toute cette année, le thème qui nous a été donné par notre papa, que je salue et que je remercie, et à maman Lydie, le thème de notre année, c'est « Béni pour dominer ». Je pense que nous le savons tous. Mais moi, j'en ai choisi un qui est taillé pour dominer. Alors, je vais prendre un premier texte dans 1 Roi, chapitre 6, le verset 7. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit des pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans le temple pendant qu'on le construisait. J'ai pris un second texte dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Alors,
j'y arrive. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors que j'étais en train de saluer maman Lydie tout à l'heure au-dessus, et que dans ma tête, de chez moi jusqu'à ici, je cherchais une introduction à mon message, je n'en trouvais pas. Elle m'a dit quelque chose, je lui ai demandé si elle allait bien, je peux me permettre de le dire, notre conversation. Elle m'a dit, je vais bien jusqu'au prochain coup. Ah, et j'ai trouvé la formule très révélatrice de ce que je suis en train de dire. Salomon s'est mis dans la tête de construire un temple pour son Dieu, parce que lui, il avait un palais, il vivait dans un palais, et qui s'est dit, je vais construire un temple. Et son père avait déjà tout préparé. Mais on dit, alors qu'on avait choisi un endroit, aujourd'hui vous connaissez l'endroit, c'est l'emplacement même où les Juifs y vont, où il y a un mur qu'on appelle le mur de lamentation. C'était à cet endroit où il y a trois églises, trois religions, les plus grandes religions du monde se rencontrent à cet endroit. Il y a les chrétiens, il y a les juifs et les musulmans. On se retrouve à l'emplacement même du temple dont nous parlons. Donc cet endroit est terrible. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas choisi pour rien. Et cet endroit, si vous lisez bien la Bible, pour les lecteurs de la Bible, cet endroit, c'est presque le même endroit où Abraham a failli sacrifier Isaac. On appelle ça Morija. Morija, c'est le mont des Oliviers, de ce côté-là. Il y avait plusieurs montagnes, et l'une de ces montagnes, c'est Morija. Et c'est à cet endroit même qu'ils ont choisi pour ériger un temple, parce que c'était le lieu le plus haut de Jérusalem, le lieu le plus imposant. C'est-à-dire que dès lors que le Seigneur a choisi un endroit, au fil du temps, il a placé quelque chose à cet endroit, et à cet endroit, il va continuer à se révéler. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les constructeurs du temple n'ont pas voulu qu'à cet endroit où on va invoquer le nom du Seigneur, qu'il y ait des bruits de marteau sur les pierres qu'on allait ériger à cet endroit. Ça veut dire qu'on taillait les pierres à un endroit très loin et on venait les poser à cet endroit-là. Ça veut dire que si on avait mesuré le lieu où une pierre allait se poser, on lui donnait la dimension exacte de cet endroit-là pour qu'au moment de le poser, il n'y ait aucun bruit. Parce qu'ils se disaient, dans leur façon de faire, ils se disaient, s'il y a un bruit, c'est comme si on dérangeait le lieu que le Seigneur avait choisi. Mais je n'ai pas compris, je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont fait? Parce que les Juifs avaient un certain respect pour Dieu que nous avons perdu la symbolique des lieux, quoi. Ça veut dire que, alors que des grands prédicateurs se tiennent à cet endroit, souvent, il nous arrive aussi de ne pas comprendre que l'Esprit de Dieu parfois œuvre par cette chair. Et que cet endroit revêt un caractère qui devient sacré, en fait. Parce que nous avons perdu ce côté-là. Pour nous, tout devient très banal. Mais ce temple a été détruit. Et ce lieu ne représentait presque plus rien. Et alors que Jésus avait rencontré Pierre, il a commencé à lui donner justement ce coup de marteau pour qu'il puisse bâtir un temple pour lui. Parce qu'il lui avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Mais l'apôtre Pierre, si vous regardez, c'était un homme assez téméraire, assez brut. Et le Seigneur voulait, au fil du temps, lui donner la forme qui ressemblait à la pierre sur laquelle on devait bâtir un temple. Alors il fallait qu'il donne des coups. Voilà pourquoi,
quand maman Lydie m'a parlé de sa formule, quand elle m'a répondu de cette manière-là, je me suis dit, justement, le Seigneur est en train de donner des coups à chacun d'entre nous pour que nous puissions ressembler justement à ces pierres qui vont bâtir le temple. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu n'es pas encore tout à fait au point, parce qu'il t'arrive encore de pécher. Il t'arrive encore d'être imparfait. Ça m'arrive très souvent. Mais dans la formule est très révélatrice. Parce que chaque fois que tu reçois un coup, dis-toi que ça te propulse. Pourquoi j'en parle? Parce que l'apôtre Pierre, chaque fois qu'il a reçu un coup, ça l'a propulsé vers son leadership. Ça veut dire que chaque fois qu'il est tombé, il s'est rapproché de la place que Jésus lui donnait. Mais j'aimerais parler en trois points de cet homme. Et pour moi, au lieu de dire coup qu'il reçoit parce qu'il est en train d'être taillé, je parle de conversion. L'apôtre Paul s'est converti plusieurs fois. Bon, pourquoi je le dis? C'est parce que je prends vraiment le mot conversion dans sa source. Dans sa source grecque, on dit métanoïa. Ça veut dire un changement, quoi. Un changement complet. C'est comme si tu virais à 360 degrés, quoi. Ça veut dire qu'il y a un changement de tout à tout, quoi. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Pierre. Quand nous lisons la première conversion de Pierre, bon, je voudrais déjà vous dire que je me baserai sur le livre de Marc, Matthieu et Luc et les Actes. Pourquoi j'ai éludé le livre de Jean, l'évangile de Jean? Parce que j'ai senti que dans la formulation de Jean pour Pierre, Jean se met beaucoup plus en avant que Pierre. À chaque fois, il se dit, et il le proclame lui, et on en voit cette formule nulle part autre dans la Bible. Chaque fois qu'il dit, il dit de lui-même, je suis l'apôtre que Jésus aimait. Comme pour dire que, bon, voilà, toi, tu viens juste après. Et quand on voit même, alors que Jésus était ressuscité, on le voit se mettre en avant et on voit Jésus raconter comment Pierre allait mourir. Et c'est comme si lui, on lui accordait une place d'éternité. Parce que quand Pierre pose la question à Jésus, c'est dans Jean 21. Vous pouvez lire dans Jean 21 à partir de 17. Jean essaie de dire que, bon, voilà, Jésus dit, rétorque à Pierre de manière assez brutale. Il dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, quel est ton problème? Alors qu'il venait de lui dire comment lui, il allait mourir. L'évangile de Marc raconte la vie de Pierre un peu dans sa fragilité, de montrer qu'il est un homme et tout ça et qu'il nous ressemble. Matthieu le propulse un peu dans sa place de chef de file des disciples. Et Luc montre comment il traverse la passion avec Jésus. Voilà pourquoi je choisis ces trois personnes qui racontent mieux ce que Paul est. Le premier coup de marteau qu'il reçoit pour qu'il se rapproche de son profil, il le reçoit au moment de sa conversion. Nous le lisons dans Marc 1, versets 16 à 18. On dit que Jésus marchait en Galilée et il les voit dans leur barque, lui et son frère André. Et Jésus, il leur dit, venez à moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Mais si tu vas lire un peu dans Jean, ce que Jean dit de ce récit-là, de l'appel ou de la conversion de Pierre, tu vas comprendre qu'il se met encore en avant. Il dit que, ben voilà, lui, il a rencontré Jésus en premier, dans Jean 1, vers 40. Il a rencontré Jésus en premier, lui et André, le frère de Pierre. Et c'est André qui va appeler Pierre. Alors que Marc, l'évangile de Marc, c'est l'évangile le plus ancien de tout,
de tous les évangiles. Il le raconte avec beaucoup plus de détails que Jean. On a l'impression que, bon, voilà, voilà. Bon, je me suis dit définitivement, je ne le prends pas. Après, c'est-à-dire que, pourquoi j'appelle ça un coup de marteau, ce qui change totalement sa vie. C'est-à-dire que cet homme était un pécheur. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est-à-dire que le maître lui-même n'allait pas choisir des disciples. Quand vous rencontrez un maître à cette époque, on les appelait des rabbis. C'est-à-dire que le disciple allait rencontrer le maître, il passait comme un test, comme nous, hein, nous allons chercher du travail et nous passons des entretiens. Le disciple passait un entretien avec le maître et c'est le maître qui décelait en lui s'il a des qualités qui peut faire de lui un de ses disciples. Mais encore une fois, Jésus change la manière de faire. Jésus va lui-même les chercher, ce qui était pratiquement interdit dans la pratique. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Jésus, il est en train de changer les données. Il est en train de chercher une pierre et de la tailler suffisamment pour que ça convienne. Voilà pourquoi il le choisit lui-même. Il choisit Pierre. Cet homme, c'est un peu surprenant, c'est que à l'époque, quand tu rencontrais un maître, il fallait mémoriser toutes ses paroles. Ça veut dire que chaque fois qu'il parlait, il fallait faire attention, il fallait noter et reproduire exactement les paroles du maître. Mais encore une fois, Jésus ne le fait pas parce qu'on ne voit nulle part dans la Bible où Jésus fait asseoir ses disciples et leur dit « répétez après moi ceci » comme le faisaient les maîtres de l'époque. Deuxième surprise, c'est qu'il y a encore dans la conversion de Pierre, c'est que cet homme était totalement inculte. Il ne faisait pas partie de la noblesse, il n'était pas d'une lignée qui était connue. Ça veut dire que si quelqu'un devait l'employer, il allait l'employer peut-être comme berger, mais pas comme maître, parce qu'il n'était pas, comme disciple, parce qu'il n'était pas du tout instruit. Rappelez-vous de ce qui se passe avec le livre de Daniel. Quand Nebuchadnezzar commence à choisir, il choisit des jeunes hommes venant de la noblesse parce qu'il savait qu'ils étaient éduqués, qu'ils avaient une certaine spiritualité. Mais encore une fois, Pierre n'en a pas. Il n'est pas un intellectuel, il n'est pas construit mentalement, même sur le plan de la religion, il est nul. Mais Jésus jette son regard sur lui. Jésus change les données en fait. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ça révèle quoi? C'est que dans toutes les religions du monde, même la définition de la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. C'est-à-dire dans toutes les religions du monde, vous verrez d'autres personnes, même j'ai vu une fois à la télé, des personnes qui entrent en train de se flageller et tout ça pour que leur Dieu les écoute. Et c'est la même chose que les disciples, les prophètes de Baal faisaient. Donc ça veut dire qu'ils invoquaient tellement pour que leur Dieu les entende. Mais Jésus est venu, il a changé complètement la donne. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est une grande interpellation pour Pierre. Jésus, il vient vers lui. Ça veut dire que c'est ce qui est dit aussi dans Apocalypse. Il dit, voici, je viens et je frappe. Ça veut dire qu'il a tendance à changer toujours ce qui se passe. Donc, il donne un premier coup de marteau à Pierre. Il le choisit parmi des gens qui ne valent rien. Ce qui veut dire, et il le dira même à la fin, et on le verra à la fin, il dit, Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que quand il te regarde, quel que soit ce que tu es, quel que soit l'endroit d'où tu viens, quelles que soient les manières qui sont les tiennes, quelle que soit la couleur de ta peau, quelles que soient tes origines, que tu aies de l'argent ou pas, que tu parles bien ou pas, le Seigneur te choisit et il peut faire de toi quelqu'un de grand. Nous avons suivi il y a quelques semaines le pasteur Gédéon qui était ici avec nous. Moi j'ai suivi un de ses témoignages un jour. Il disait qu'il était un grand bandit. C'est-à-dire que rien ne présageait
quand on le regardait, qu'il allait servir Dieu un jour. Et quand on regarde vraiment la vie de ceux qui servent Dieu, il y a un décalage total entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils auraient été. Et le Seigneur, aujourd'hui, il a cessé de choisir comme on choisissait à l'ancien temps. Ça veut dire qu'il y avait une lignée. Vous voyez, même en France, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a détruit la société européenne. Les fils de médecins, les médecins vont avoir des fils médecins. Les magistrats vont avoir des fils magistrats. Et ainsi de suite. Ça veut dire que la carrière est bien donnée, est bien taillée, bien tracée. Mais Jésus vient, il change tout. Il dit, je mets fin à cela. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment où Jésus est en train de choisir Pierre. Parce que quand il le choisit, il lui change de nom. Que signifie le nom, en fait, chez les Juifs? Quand il te donne un nom, ils veulent dire que tu es la chose. Autrement dit, la chose auquel tu es nommé, à laquelle tu es nommé, c'est toi. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as un nom, par exemple comme lui, on a changé son nom est devenu Pierre ou Céphas, il devient complètement une pierre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et j'aimerais qu'on le retienne. En lisant un peu dans les textes originaux, je vois qu'il y avait déjà un autre Céphas, mais c'est-à-dire que dans les traductions en français, ils ont tout fait pour altérer la prononciation du nom Céphas. Il y avait un autre Céphas qui était souverain sacrificateur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils changent son nom, la prononciation de son nom, et ils le nomment Caïphe. Mais dans les textes anciens, c'est le même nom, parce qu'il s'appelait Joseph, le Caïphe, le souverain sacrificateur de ce temps-là, et on l'a nommé aussi Pierre, comme pour dire c'est un roc. Et en ce même moment, Jésus était en train d'élever une autre pierre, alors qu'il y en avait déjà un. Jésus savait que ce temple-là allait être détruit. Et qu'il fallait commencer à bâtir un autre temple. Et il a commencé à se choisir une autre pierre qui va être la pierre principale de son temple. C'est-à-dire qu'il a commencé à tailler un homme pour qu'il puisse remplacer le Céphas qui était de l'autre côté. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec toi aujourd'hui. Ça veut dire que alors qu'il y en a déjà un autre qui existe, Jésus, quand il vient, il regarde. À un certain moment, les disciples contemplent même le temple. Ils sont en train de le regarder, ils disent, y a-t-il un édifice qui peut ressembler à celui-ci dans le monde? Jésus, il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre, parce que je suis en train de tailler une autre pierre et que nous construirons ensemble un autre temple. Il fallait que Caïphe tombe pour que Pierre puisse s'élever. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que très peu de temps après la mort de Jésus, effectivement, Caïphe est tombé. Et Pierre a pu prêcher dans le temple. Eux qui étaient chassés de partout. Eux qui n'étaient pas considérés. Mais on lui a permis d'entrer dans ce lieu et de prêcher. La pierre est revenue dans son endroit pour bâtir. Ça veut dire que, quelle que soit l'adversité, quels que soient les coups que tu reçois aujourd'hui, le Seigneur fera toujours en sorte que tu puisses remplacer tes ennemis, que tu puisses prendre leur place, parce que c'est ta place. Là où eux, ils se sont érigés, en fait, c'est ta place. Parce qu'ils ont un malin plaisir à se mettre à la place de ceux-là que le Seigneur a choisi. Mais chaque fois qu'ils te donneront un coup, ils te propulseront vers cet endroit que tu mérites.
On va parler un peu du leadership de l'apôtre Paul. Bon, ça veut dire que les trois points que je suis en train d'aborder, il y aura à chaque fois le coup qu'il reçoit et le leadership qu'il prend. Donc attendez-vous à ce que ça soit assez mécanique. On parle du leadership de Pierre. Dans Marc 8, si nous prenons le verset 27 jusqu'au verset 30, il y a eu les disciples qui ont commencé à se parler entre eux, à se dire qui est le plus grand d'entre nous. Qui est le plus grand? Ils se sont disputés pendant un moment, à l'abri du regard de Jésus. Mais il fallait qu'il y ait encore un leader qui puisse se lever et qui puisse aller aborder Jésus et lui poser la vraie question. Et on voit là encore une fois Pierre qui est désigné. C'est-à-dire que lui-même, il se lève, il se dit « moi j'irai ». C'est-à-dire qu'alors qu'il reçoit une conversion, alors qu'il reçoit des coups, alors que sa vie change, alors qu'il était un pêcheur de poissons, et que le Seigneur l'a transformé en autre chose, en pêcheur d'hommes, le Seigneur l'a propulsé aussi comme leader. Parce qu'il avait un certain caractère. Le problème de Pierre, c'est quoi? Sa nature le trahit, mais en même temps, sa nature le propulse vers sa mission. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit de Pierre? Son nom, au départ, il s'appelait Simon. Simon, ça veut dire roseau. Roseau, les roseaux, bon, voilà, moi, j'essaie de regarder. Hein. Ça veut dire que c'est des plantes qui poussent dans l'eau. Et selon la position que l'eau prend, selon le cours de l'eau, il se penche dans une direction ou dans l'autre. Pierre était capable de changer de position en un clin d'œil. Il pouvait être docile et au moment suivant être très brutal. C'est ce qu'il démontre dans tout ce qu'il fait. Mais ce côté spontané qu'il avait fait de lui quelqu'un qui peut copier facilement. Voyez, ça veut dire qu'à côté de Jésus, il a pu s'imprégner si rapidement du caractère de Jésus. Et c'est ce qui le trahit même à la fin. Et Jésus, en lisant un peu les commentaires sur la manière dont il sélectionne ses disciples, les commentateurs disent qu'il n'a choisi que des Galiléens. Et les Juifs, en général, avaient l'habitude de se moquer des Galiléens parce qu'ils avaient un langage assez brut et il avait un ton assez compliqué. C'est comme si nous sommes en France et que l'apôtre Douglas ne choisit que des Corses pour venir travailler avec lui. Ils ont une tonalité, un accent assez fort. Ça veut dire qu'on les repérait facilement. Voilà pourquoi Pierre, même le jour où on arrête Jésus, on n'a pas eu du mal à le repérer parce qu'il parlait comme un Galiléen. Et Jésus, c'était un Galiléen, il s'est choisi des gens qui étaient de son coin. Pierre était capable de s'imprégner rapidement du courant qui était à côté de lui. Ça veut dire qu'alors qu'il a été à côté de Jésus, il s'est imprégné du caractère de Jésus et Jésus en a fait un roc. Il lui a dit, bon voilà, maintenant tu t'es imprégné suffisamment de mon caractère, maintenant tu ne bouges plus, tu deviens une pierre. Tu vas rester statique maintenant que tu as compris. C'est ce qui se passe en fait, c'est que alors il révèle son leadership. Il se dit, moi j'irai le voir parce que les disciples avaient peur d'aller lui poser la question. Encore une fois, il se lève devant les autres. La deuxième conversion de Pierre, ça se passe à Pâques, le deuxième coup de marteau qu'il reçoit. Et ça, tout le monde le connaît. Ça veut dire que Pierre arrive à renier Jésus. Et ça, nous le voyons dans Marc 14, le verset 70 à 72. On va peut-être lire. Je vais lire à partir. Peu après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, certainement tu es l'un d'eux, parce que toi aussi, tu es Galiléen.
On voit son langage qui le trahit. Alors Pierre s'est mis à jurer sous peine d'anathème. Bon, c'est une version que j'ai trouvée. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Aussitôt un coq chanta pour la seconde fois et Pierre se rappela de la parole que Jésus lui avait dite. Avant qu'un coq ait chanté deux fois, tu m'aurais renié trois fois. Alors il s'est mis à pleurer. Je vous assure, Jésus, ce n'était pas un petit personnage. À cette époque-là, il n'y en avait aucun qui avait autant de succès que Jésus en Israël. Ça veut dire que tout le monde parlait de cet homme et on connaissait ses collaborateurs. Je vous assure, si c'était à notre époque, on aurait entendu cette histoire à BFM TV. C'est-à-dire qu'on l'aurait décortiqué et il n'y aurait pas eu une autre information. Ça veut dire qu'ils auraient décortiqué la vie de Pierre. Il vient d'où et tout ça et pourquoi il le renie. Il y aurait eu même des gens, des commentateurs qui seraient venus, des experts qui seraient venus. Ils auraient dit, ah ben les Galiléens sont experts en trahison. Et moi, je me dis, moi aussi, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit, oui, je le vois, à sa tête, on sent que lui, il allait trahir. Mais Pierre pleura, pourquoi? Parce que, alors que Judas avait trahi, il s'est regardé lui-même, il a vu qu'il n'était pas différent de Judas. Ce qui le différencie de Judas, c'est le fait que lui, il se répand. Judas, même s'il pleure, on dit qu'il pleure même amèrement, mais il ne se répand pas. Mais Pierre, c'est comme s'il se dit, ma vie doit s'arrêter ici. Pierre, pour lui, à ce moment-là, bien précis, sa vie s'était arrêtée. C'est comme chacun d'entre nous, face à la faute, il y a une certaine manière dont nous nous conduisons. Parfois, tu te dis, c'est fini. Parfois, tu te dis, alors que je suis tombé là, je ne sais pas si je me relèverai un jour. J'en ai fait les frais. À un certain moment, même ici à l'église, il arrivait que je me dise que je n'ai plus ma place ici et que je n'ai même plus le droit de venir ici à l'église. Parce que face à la faute, on réagit tous différemment. Mais Pierre, il y a encore ce côté-là où il se dit, Jésus avait dit que je suis une pierre. Mais quand il se regarde, c'est comme si la pierre qu'il était devenue du sable en train de couler entre ses doigts. Il était complètement fini. Ça veut dire que la place qu'il s'était donnée lui-même, parce qu'il s'était donné une place de choix à côté de Jésus. Mais quand il regarde lui-même comment il a nié avec force, de toute sa force, il a dit je ne le connais pas. Ça m'est arrivé. Je me rappelle encore en 2020, je travaillais dans une banque, il y a eu un reportage à TF1 qui parlait des pasteurs de mon pays, du Congo. Et il y avait un pasteur, un de ses disciples souffrait d'une insuffisance rénale. Il lui fallait 100 € pour se faire soigner. Alors qu'il avait amassé de l'argent de la dîme et des offrandes, il l'a mis dans son coffre. Il a dit à cet enfant que le Seigneur te bénisse. Et une semaine après, cet enfant est décédé. Je vous assure, j'avais commencé à travailler dans cette banque tout en annonçant avec fierté à tout le monde que moi j'étais chrétien. Vous savez, quand on le fait et on s'érige en donneur de leçons, quoi. On se dit, chaque fois qu'il faut redresser, ils savent que lui, il dira toujours quelque chose de droit. Chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, ils savent que, ah non, Nathan, lui, il va dire quelque chose de droit. Mais ce jour-là, ils ont commencé pendant 2 semaines à m'appeler par le nom de ce pasteur-là. Je vous assure, j'ai passé 2 semaines horribles où j'ai commencé même à nier, à dire,
Moi, je ne suis pas comme ces chrétiens-là. Si, je le suis. Si. Au fond de moi-même, le Saint-Esprit me disait, oui, tu fais la même chose toi aussi. Il y a des gens qui réclament ton aide souvent et tu les repousses. Toi aussi, tu le regardes d'une certaine manière. Toi aussi, tu ne fais pas les choses correctement. Est-ce que tu tends ta main aux autres? Je me suis senti comme Pierre à ce moment-là. Je me dis, tous les jours, alors je... Peut-être que c'est de l'auto-flagellation, vous direz, et tout ça, mais je sais que d'une façon ou d'une autre, je nie Jésus. Je ne sais pas ce qui est de votre cas, mais moi, en tout cas, je me sens très humain de le dire et je n'aurai jamais honte de le dire. C'est-à-dire qu'il m'arrive parfois dans le train de sentir que je dois parler à cet homme. Mais j'ai tellement peur de ce qui se passe aujourd'hui que je ne le fais pas. C'est-à-dire que la voix de Dieu ne résonne plus de la même manière dans mon cœur qu'avant. C'est-à-dire que alors que, au tout début de la foi, j'étais zélé et tout, mais aujourd'hui, j'ai mêlé mon intelligence à la foi. C'est-à-dire que je commence à me dire, qu'est-ce que je dois dire à cet endroit, qu'est-ce que je ne dois pas dire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je suis en train de nier mon identité chaque fois que j'avance. Je me dis, ici, il ne faut pas en parler. Ici, il ne faut pas se présenter de cette manière parce que je vais être disqualifié. C'est ce que Pierre fait. Si on ne lui avait pas posé la question, si Pierre serait resté fier et tout ça, et personne n'aurait su qu'il a la capacité de nier Jésus. Sommes-nous différents de Pierre? J'aimerais que tu te poses cette question. Parce que quand tu te regardes, alors que si je n'avais pas posé cette question, tu te serais dit, mais Pierre, je sais que bon, nous tous, nous avons l'habitude de parler de cette partie et de dire, voilà, Pierre qui était à côté de Jésus, qui a vu les miracles, qui a vu les démons sortir et tout ça et autres, mais comment il a pu nier Jésus? Nous ne sommes pas différents de lui. Je t'assure, face à la mort, tu n'es pas différent de lui. Parce qu'il voyait et il savait ce qui allait arriver à Jésus. Il reçoit là son deuxième coup de marteau, où il tombe de son piédestal. Lui qui était un roc, il devient sablonneux. On ne peut plus rien construire de pierre. Mais, sachez-le, cet événement ne le plonge pas totalement. Cet événement le renforce plutôt spirituellement. C'est-à-dire qu'il pleure amèrement et je pense que dans chacune de nos vies, il faut qu'il y ait des moments pareils, des moments de remise en cause. Où tu te dis, quelle est ma vraie position? Est-ce que ce que je le fais bien? Est-ce que face à l'adversité, comment est-ce que je vais réagir? Alors que nous venons ici, surtout le dimanche, nous sommes tous propres et tout ça, et nous nous appelons frères et sœurs. Mais qu'est-ce que tu as en réalité? Es-tu prêt à trahir chaque fois qu'il arrivera une crise? Chaque fois qu'on fait des appels de fond, je sais qu'il m'arrive de murmurer. C'est-à-dire, eux aussi, ils demandent toujours de l'argent. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus savait que Pierre allait recevoir ce coup de marteau. Et c'est Jésus qui a été en train de donner ce coup de marteau parce qu'il l'avait prévu. Mais qu'est-ce qu'il fait au moment où il ressuscite? Il dit aux femmes, aller dire à ses disciples et à Pierre. Parce que Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Jésus l'avait lui-même taillé. Même s'il avait mal, ce coup de marteau venait de Jésus. Voilà pourquoi il le réhabilite, parce qu'il le met à côté, il dit et à Pierre. Ça veut dire que même le jour où tu tombes, sache que le Seigneur a toujours une main tendue vers toi. Et que le Seigneur cherche justement ces moments où tu tombes pour qu'il te relève, pour que tu l'appartiennes un peu plus, chaque jour. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est cette vie où si tu te dis chaque jour, j'ai peur de pécher et tout ça, je t'assure que tu ne feras rien, tu ne vivras pas.
Dans la vie chrétienne, il faut avancer tout en se disant, bon, je ne vais pas pécher parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Mais si ça arrive, le Seigneur me relèvera. Il me relèvera. Voilà pourquoi il dit, va dire à ses disciples et à Pierre. Parce que Pierre devait savoir que le Seigneur est en train de le rappeler dans sa mission. Encore une fois, on va parler du leadership de Pierre. Ce leadership que Jésus est en train de relever maintenant. Que Jésus est en train de montrer aux yeux de tout le monde. Ça veut dire que au moment de la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive vraiment après la résurrection, après Pâques. Qu'est-ce qui donne ce pouvoir à Pierre de parler devant tout le monde? Pourquoi ce n'est pas Jean? Pourquoi ce n'est pas André qui parle devant tout le monde? Parce que naturellement, cet événement avait donné un background à Pierre. Ça veut dire qu'il était animé de cet esprit-là. Il avait compris que même si j'étais tombé, il m'a relevé et que je dois faire la mission. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Mais chez Pierre, il a donné le leadership. Ce même Pierre, en allant au temple, a commencé à guérir. Et l'ombre de Pierre guérissait même les gens. On dit ce genre de choses de Pierre, pas d'un autre. Parce qu'il avait reçu un leadership. Même quand il est tombé, c'est parce qu'il s'est rapproché de sa forme à lui. Pour bâtir le temple du Seigneur. Troisième coup de marteau. Il y en a d'autres, mais je vais prendre celui-là parce que ça change complètement la vision de Pierre. On parle de ça dans la conversion de Corneille, c'est dans Actes chapitre 10. On peut prendre à partir du verset 4. Fixa les regards sur lui et rempli de crainte, il répondit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » L'ange du Seigneur est en train de parler à un centenier romain, à Corneille. Mais moi, quand je regarde ça, je ne vois pas de conversion de Corneille. L'ange reconnaît ce qui se passe dans la vie de Corneille. Il reconnaît la place de Corneille. C'est qu'il est déjà en train de faire. La seule personne qui se convertit ici, c'est encore Pierre. Quand tu prends à partir du verset 11, tu prends de 11 à 16. C'est-à-dire qu'à un certain moment, une voix lui dit, alors qu'il voyait des reptiles, même des oiseaux et tout ça, des animaux qui étaient interdits à la consommation aux Juifs, l'ange lui dit, lève-toi, tue et mange. Il regarde, il dit, mais je n'ai pas le droit d'y toucher parce que c'est impur. Le Seigneur lui dit, ne traite pas d'impur ce que moi j'ai déclaré pur. C'est-à-dire que Pierre est en train de recevoir autre chose. Le Seigneur est en train de changer son entendement. Ça veut dire que Pierre, il dit maintenant à Corneille après, il lui dit, je n'ai même pas, tu sais que les Juifs n'ont pas le droit d'entrer dans la maison d'un païen. Alors qu'on nous a enseigné ici plusieurs fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, Paul qui était imprégné de la religion juive a été envoyé à l'extérieur. Mais Pierre, qui était un homme inculte, a été envoyé prêcher en Israël. Mais là, tu vois que le Seigneur est en train de changer Pierre. Et que c'est là même que sa mission prend une autre dimension. Parce qu'à partir de là, Pierre comprend qu'il doit aussi prêcher les païens. Il doit aussi faire des missions
comme tout le monde. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut descendre aussi sur les païens. Il a compris que le salut ne passait pas nécessairement par les juifs et qu'il fallait faire autrement. Il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit de Pierre. Le Seigneur a changé sa vision de la chose. Le Seigneur a changé sa manière de regarder. Mais je me dis, en quoi est-ce que ça nous regarde, nous? Mais ça nous regarde parce que comment est-ce que toi tu regardes les païens? Comment est-ce que tu regardes ceux de l'église en face? Tu les regardes comme des gens qui font du bruit? J'ai appris que leur pasteur est d'une certaine nationalité. Est-ce que tu les tags de cette nationalité-là? Comment est-ce que tu regardes ceux qui font un culte qui est différent du nôtre? Quel est le regard que toi tu as sur les musulmans, par exemple? Pour toi, c'est fini, ils doivent être condamnés? Ou tu dois t'élever, tu dois les accueillir, leur parler? Comment est-ce que tu regardes tes collègues au travail qui ne croient pas en Jésus? Moi, j'ai un collègue qui chaque jour veut que je lui parle de la parole de Dieu. Mais je dis chaque fois au Seigneur, mais cette dame m'a dit qu'elle est athée et qu'elle ne croira jamais en Dieu. Mais pourquoi je dois lui parler de Dieu? Pourquoi elle m'embête avec ça? Chaque fois qu'elle me voit, chaque fois qu'elle fait une pause, comme elles font des pauses cigarettes et tout ça et café, elle me dit, alors le pasteur, tu viens me parler encore de ta bonne parole. Et je me dis instantanément, je trouve toujours une autre formule et tout ça pour lui parler. Je me dis, mais à quoi tout ça sert, Seigneur? C'est la question que je pose au Seigneur chaque fois que je prie pour elle. Le Seigneur me dit, prêche la parole. Moi, je me chargerai du reste. Parce que aucun d'entre nous n'a la force de la conviction. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Mais il le dit de manière claire. Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera. Ça veut dire que moi, je me suis dit une chose, et je l'ai dit à cette dame dernièrement. Je lui ai dit, tu sais pourquoi nous prêchons? Elle m'a dit, je ne sais pas, vous êtes des gens illuminés, et tout ça, vous bougez dans tous les sens quand vous parlez de votre Dieu. Et je vous entends, il y en a d'autres même qui prient dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Je trouve ça assez fou. Je dis oui, c'est vrai, nous sommes fous. Mais je lui ai dit une chose, et ça l'a attristé. Je lui ai dit, je te prêche pour deux raisons. Parce qu'un jour, il y aura le jugement. Et si je ne t'en parle pas, le Seigneur me jugera moi à ta place. Voilà pourquoi je me décharge de ce jugement. Il me dit, alors la deuxième raison, et c'est ça qui l'a attristé. Je lui dis, mais la deuxième raison, je donne raison à mon Dieu quand tu te retrouveras en face de lui et que tu n'auras pas compris ce que je t'ai dit. Il te dira, tu avais tout entendu. Va là-bas, où sont les autres? Où est ton maître Satan? Je lui dis, puisque c'est un juge, moi je vais lui donner de l'argument. Je veux qu'il ait assez d'arguments pour qu'il te condamne un jour. Parce que tu ne peux pas être là et dire au Seigneur, je n'ai pas entendu cette parole. Voilà pourquoi je t'en donne. Et chaque fois que tu demanderas, je te parlerai de ce Dieu-là qui veut te sauver. Pour qu'un jour, quand tu te retrouveras devant lui, que tu n'aies plus d'arguments. Et ça l'a attristé. Je vous assure, pendant une semaine, elle ne me parlait pas, elle m'évitait. Et j'étais heureux de lui avoir dit ça parce que je m'étais dit, yes, Saint-Esprit, tu l'as interpellé. Je sens que là, ça lui fait mal. Donc je sens que ça commence, quoi. Et je sais qu'un jour, le Seigneur le fera venir de notre côté. Parce que je lui aurai prêché cette parole. Pierre prend un coup. Et ce coup le change. Et ce coup lui donne un leadership différent. Parce qu'il sait qu'il ne doit pas se cantonner seulement aux Juifs, mais il doit changer sa vision parce qu'il a reçu une vision qui est universelle. Il fait tomber les barrières. Pendant 2000 ans,
les Juifs ont prêché une seule parole. Mais Pierre vient de changer. Il vient de comprendre le terme de l'alliance, que nous irons jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ne prive pas à quelqu'un, même si la personne ne t'entend pas. Dis-toi, je donne l'information et le Saint-Esprit fera le reste. Mais pourquoi je dis tout ça? Parce que je vais revenir peut-être à ce qu'on disait avant. Il y a eu un homme qui, ayant trouvé une pierre, je vais m'arrêter là certainement, cet homme avait trouvé une pierre quelque part. Parce que cet homme était fatigué. Cet homme s'appelait Jacob. Il trouve une pierre qui est déjà taillée sous forme d'oreiller. Et il prend sa tête, il met dessus. Alors que le Seigneur avait déjà taillé cette pierre parce que son père était déjà passé par là. Cette pierre a été taillée bien avant lui. Mais cette pierre avait une certaine utilité. Et il a vu que quelque chose a changé. Chaque fois que le Seigneur penchera sa tête sur toi, tu penses que qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les rêves du Seigneur vont se concrétiser? Est-ce que la pierre que tu es va faire en sorte que le temple soit construit? Est-ce que le Seigneur peut s'appuyer sur toi pour bâtir quelque chose? Est-ce que tu penses qu'avec ton savoir-faire, avec ce que le Seigneur t'a donné comme background, comme intelligence, comme capacité, tu penses que tu es une pierre qui peut servir à son temple? Je vois ici qu'il y a quelque temps, j'étais une pierre qui n'avait pas de forme, qui n'était pas taillée correctement. Mais j'ai voulu qu'on me place dans le temple. C'est-à-dire que comme je n'étais pas taillé suffisamment, comme je ne me suis pas laissé être taillé dans les carrières, quand on m'a emmené dans le temple, j'ai fait du bruit et on m'a disqualifié. On m'a dit « retourne à la carrière ». Et c'est ce qui va se passer pour certains d'entre nous, je suis désolé de le dire. Si tu n'es pas encore taillé correctement, il faut que tu retournes à la carrière. Accepte qu'on te reproche des choses. Accepte qu'on te dise que tu n'es pas encore au point. Accepte d'apprendre auprès des autres. Accepte de prendre des coups, surtout à l'église. Accepte qu'on te donne ces coups-là, qu'on te dise, voilà, tu as bien fait ça, mais ça, tu n'y arrives pas encore. Je vois que nous sommes dans une génération où on n'aime pas les reproches. Je suis le premier à ne pas aimer qu'on me reproche quoi que ce soit. Parce que j'ai grandi avec l'idée que je savais tout faire. Mais dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas possible d'évoluer comme ça. Si dans le monde, je peux essayer de tricher et tout ça et de parler d'une certaine manière, je peux me lever et regarder d'une certaine manière. Si dans le monde, je peux éblouir les gens, mais dans l'œuvre du Seigneur, il est impossible de le faire. Tu te feras toujours rattraper et on te renverra à la carrière pour qu'on te taille encore. Voyez tous les scandales qui arrivent à l'église, c'est parce que ces pierres ne sont pas encore taillées correctement, mais ils veulent avoir leur place dans le temple. Le Seigneur veut une église sans bruit. Il veut que nous soyons taillés suffisamment pour que quand nous viendrons servir ici, que nous ne puissions pas venir pour heurter les foies des autres, pour heurter les cœurs des autres, pour choquer les autres et faire du mal aux autres. Mais le Seigneur veut plutôt que nous puissions prospérer tous ensemble, que nous puissions évoluer tous ensemble. Il dit à la fin, quand tu regardes dans Apocalypse, on parle du temple qui va descendre. Et on décrit ce temple, il est fait de plusieurs pierres. On cite de l'onyx, du jaspe, de l'émeraude. C'est tout ce que nous sommes.
Et à la fin, nous descendons ici avec le Seigneur. Mais il faut que tu fasses ce travail-là maintenant. N'attends pas demain. Ne te dis pas, je suis déjà parfait et que j'ai ma place là-dessus. Tu n'auras ta place que si tu acceptes d'être taillé. Et plus tu seras taillé, plus le Seigneur remontera ton leadership et plus tu domineras. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, vraiment pour cette parole qui nous a donné ce matin au travers de son serviteur. Une parole qui, je crois, nous a parlé à tous, à tout un chacun. Alors ma prière, alors que nous sommes à la fin, c'est vraiment que nous puissions accepter d'être taillés pour Christ, que nous puissions accepter de recevoir ces coups-là, même s'ils peuvent être douloureux, même s'ils peuvent faire mal, que nous puissions être conscients que l'objectif derrière, ce n'est pas que nous puissions nous briser, mais au contraire, l'objectif derrière, c'est que nous puissions être utilisés pour la construction du temple. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons passer aux offrandes. Je vais demander à l'équipe de l'accueil de nous aider, et aussi pour ceux qui veulent payer par carte, il y a des personnes qui vont passer au milieu pour prendre les paiements. Si la chorale peut nous accompagner rapidement, s'il vous plaît. Puissant pour sauver.